Bien, je crois que tu as un concept bien. Bien. Ça va? Je sens que ta mère t'a épousé en sorcellerie. Quand hey! Lâche-la. Je brise ce mariage mystique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme hein? Tu es. Allez, lâche-la. Si, tu vas la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? C'est un homme. Hein? Tu vas la libérer? Tu vas la libérer? Non. Si. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas la libérer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gâché? Qu'est-ce que tu as gâché? Qu'est-ce que tu as gâché? Tout, ça veut dire. Tu as gâché quoi et quoi? 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 Qu'est-ce que tu as gâché? Hein? Tout, ses finances. Et quoi d'autre? Tu l'as épousé. Son mariage. Tu as gâté combien de mariages comme ça? De relations? Elle a eu combien de relations? Tu as gâté combien? Beaucoup. Tu as gâté combien? Tu as gâché combien? Tout, c'est ça? Tu l'as marié spirituellement? Tu l'as marié spirituellement? Si vous voulez que tu saches, mettez-la derrière. Comme ça, on fait moins de bruit. Aidez-la là-bas pour l'amener. Tu as tout gâché, c'est ça? Son mariage, tu l'as épousé, c'est ça? Tu as tout gâché, c'est ça? Ok. Maintenant, c'est un ordre. C'est un ordre de libérer sa vie. Tu m'attends? Ouais. Voilà, maintenant, va-t'en. Va. Va-t'en. Dans les lieux, ils arrivent. Ils t'envoient là-bas de l'autre côté. Pareil! Doucement. La puissance. Oui, la puissance de Dieu. Non, je ne vais pas la coucher sur son bras. Voilà, maintenant, on va. La puissance de Dieu.
La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Regarde. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche-la. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je prononce le divorce. C'est fini. Ne touche plus à sa vie. Ne touche plus à sa vie. Touche plus à sa vie. Quitte définitivement sa vie. Et le divorce est prononcé à jamais. Désormais, le Saint-Esprit contrôle sa vie. La puissance de Dieu sera mère dans sa vie. Lève-la. Lève-toi. 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 C'est fini, ma fille. Tu es libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde le peuple de Dieu. Mets-toi là, parce que c'est un ami. Oui. Amen. J'allais tout seul et quand je disais, j'avais une paix intérieure.
j'ai acheté un médaillon à l'heure immédiat. Elle m'a dit tout de suite qu'il faut acheter le médaillon dès demain, sinon elle va se manger. Oui. Elle de chasser l'enfant parce qu'il a la sorcellerie. Oui, j'ai voulu un peu discuter. Elle m'a dit que j'étais dure, voilà. Ils disent qu'ils ne peuvent pas délivrer un enfant. Et on dit que non, elle a une forte sorcellerie. Et une forte sorcellerie. Oui. Donc la puissance de Dieu est capable de délivrer une forte sorcellerie. Non, je demande, c'est ça. Non, ça c'est ça, je l'ai dit. Mais ça veut dire que vaut mieux aller vers la sorcellerie. Si la puissance de Dieu est limitée. Mais c'est dangereux, c'est un faux évangile. Ça dit quand on te fait peur, en fait, quand on te dit, le sorcier est plus fort que l'onction de Dieu. C'est le message qui a véhiculé ce monsieur. Je doute bien, excusez-moi, que ce soit des hommes de Dieu. Parce que c'est un message satanique, subtil. Ça dit, c'est tellement subtil. Mais il y a le diable, il y a un message du diable dedans. Qui te fait croire que l'enfant ne peut pas être délivré par la puissance de Dieu que je connais. Amen. Ton témoignage, c'est merveilleux, mais ça me choque quand même quand j'ai arrêté que c'est un surprenant. Pour que ça soit un message très fort. Parce qu'il faut que les gens retiennent l'essentiel, les bonnes choses dans ce que tu dis. Donc du coup, on te dit de faire partie l'enfant. Oui, j'étais parti. Tu fais qu'est-ce que l'enfant est sorcier, oui. Qui ne peut pas être délivré par l'église. Mais en ce moment-là, où on ira où alors? Si on ne peut pas, si l'église ne peut pas nous délivrer. Mais c'est grave. Donc j'ai fait partie l'enfant. Et chaque fois que je priais, je pleurais. Je pensais à elle, je pleurais. Je sentais que je n'avais pas bien agi. Qu'il fallait que je la garde. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, toi, c'est le bon moi. J'ai acheté un ménage, je l'ai fait revenir. Ah, tu as fait revenir. Oui. Et quand je l'ai fait revenir, je l'ai ramené à l'église. J'avais un peu peur. Dans la même église. Après, j'ai supplié que pardon prie pour elle. J'ai attiré l'homme de Dieu, là, c'est ça. Pardon prie pour elle. Oui. C'est ce qu'on appelle la compassion. Que pardon prie pour elle, qu'elle soit délivrée. Un fond déjà très bon. Et ils m'ont dit, je suis délivrée. Tu es très têtu, hein? Oui. Tu es très têtu, hein? Est-ce que tu peux envoyer son fils ici? Est-ce que c'est des camarades de quelqu'un? Ah, mais les soucis, on va. Et les gens périssent comme ça. Les gens, vous voyez, on livre les gens, ça pas comme ça. C'est très dangereux. C'est pas le seul qui vit ça, qui a vécu ça. Même chez nous, on vit ça. Même chez nous, à Tivo, je ne comprends pas ton témoignage. On finit de livrer les gens en disant non. Ce monsieur me dit, je ne crois même pas qu'il soit délivré. Moi, on me dit, on met ma délivrance en doute. On dit le petit là, non. Ou bien il va à la maison, dit non, je l'ai vu, arrête. Papa, il m'a poussé, ma chère. Après, on m'a dit si je continue à la garder, je ne le parlerai jamais. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mon Dieu. Et c'est alors que j'ai dit que ce n'est pas grave si je ne le parlerai pas, mais je vais la garder. Très bien. Ça dit la compassion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas l'esprit de la sorcellerie que je regarde, c'est la compassion. Parce que la compassion, c'est au-delà de la pitié. La compassion est différente de la pitié. La compassion, c'est compatir, porter le fardeau d'autrui. Elle se rend compte que non, même si elle a la chose, je préfère me battre pour qu'elle soit délivrée. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc je l'ai menée, je l'ai mis dans les centres de délivrance. Et chaque fois. Tu as commencé à te balader maintenant. Non, toujours là-bas. Ah, toujours là-bas, quand on allait dans des conventions, et quand on allait dans des conventions, je me disais qu'on l'avait mon nom de l'air. Et chaque fois le pasteur me disait ma fille qui a la lumière. Et quand je rentrais à me gronder, du coup on m'avait plus dans l'information, donc je ne pouvais pas l'appeler dans une. Je ne pouvais pas désobéir parce que je respectais le pasteur de l'église et la procédure. Et après donc, on m'a dit, tu es têtu, tu aimes, elle m'a suscité, elle suce le sang de ma fille. Et après, bon, moi j'ai dit, ok, si elle suce le sang de ma fille, moi je vais noter avec ma fille, comme ça je continue à prier avec elle. Et elle a dit qu'elle priait, elle acceptait de prier. Et voilà que. Toute âme forgée contre toi, toute âme forgée contre toi, parole de l'Éternel. Amen. La carte le plus grand vampire, dès qu'il approche de toi, sa bouche est ferme. Amen. Parce que ton sang ne va pas d'un breuvage, il ne couvre pas ton sang. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous lire la parole du Seigneur. Luc 10, verset 19. Respectez la parole de Dieu. Il vient ici sa parole.
pour l'accomplir et l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne donne pas des promesses pour attirer votre estime, pour qu'on puisse l'aimer. Non, il veille sur sa parole. Il est vérité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. N'ayez pas peur que quelque chose d'entre contradictoire avec la parole de Dieu, refusez ça. Aucun démon sur cette terre ne peut vaincre un véritable enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Alors ensuite, ils ont persisté et puis j'ai dit, bon, au lieu de l'amour. Donc ça veut dire que les gens ne voulaient même pas avoir l'enfant. Non. Mais c'est quoi ça? Et en plus, où est l'amour, où est la compassion? Ah, en plus, l'enfant est. Très bien, quand elle était juste plus d'un autre, elle était parce qu'elle est venue en quatrième. Là, elle est en terminale maintenant. Normalement, elle devait être à l'université, mais à cause de la guerre d'une année, je l'ai fait revenir, mais je l'avais encore envoyée. Tu as eu peur quand tu l'as ramené? Oui, donc en fait, j'ai dit, au lieu de la renvoyer, je vais lui prendre une chambre en colocation. J'ai trouvé une chambre à 300 euros, pas dans le chinois. Et après, l'enfant a entendu ça un jour, elle est sortie de l'école et elle est partie n'importe où comme ça. Et j'ai entendu, justement, elle n'est pas là, votre, elle n'est pas là. Et j'ai appelé, j'ai entendu, elle m'a dit que ma fille n'est pas rentrée. Après, on m'a dit, arrête de l'appeler ta fille. Et puis, on m'a dit, mais elle est censée, il faut la laisser partir, elle m'a montré. Après, je suis allée à la police, je donnais cette photo. Bon, rends-nous un témoignage. Voilà. Donc, je rends le témoignage en fait. Rends-nous un témoignage parce que ce que tu rends maintenant, ça ne peut pas m'aider. Parce qu'en fait, moi, je suis venue ici pour sa délivrance. Parce que je vous avais expliqué, j'avais vu le petit peu de sur YouTube. Après, j'ai dit, ah, une fois au moins, on va trouver quelqu'un qui va la délivrer. Parce qu'elle était encore repartie, elle est revenue. Je l'ai encore fait revenir. Et donc, voilà, on est venu pour sa délivrance. Mais en fait, c'est plutôt moi qui ai eu la délivrance parce que finalement, je pense qu'elle n'a rien. Donc, quand moi je l'ai amenée ici, on est venu une fois, on est venu deux fois, trois fois, et je me disais, mais c'est en fait, quand tu touches quelqu'un, quand il y a quelque chose, ça se manifeste. Mais comment ça se fait qu'elle, ça se manifeste pas? Et puis, on est rentré. Bon, j'avais d'abord demandé son avis pour lui dire que moi je l'aime et que je ne vais pas t'emmener en secret. Est-ce que tu es d'accord qu'on parte? Parce que moi je pense que si tu as quelque chose, c'est pour ton bien, pour qu'on puisse te délivrer. Elle m'a dit oui. Et donc, après une fois, puis un jour, j'ai eu un problème avec le compagnon. J'avais tort. Voilà, j'avais des soucis. Voilà, j'avais des soucis. Enfin, j'avais tout cassé. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Tu avais une excuse de ça? Oui. Moi, je ne savais pas. Et donc, je suis venue voir le. Je ne savais pas qui m'adressait. Donc, je suis venue voir le compagnon façon. Et je pleurais, je disais que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Et quelques jours avant, j'avais quand même appelé ma mère pour lui dire que ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que j'ai une relation, ça s'arrête. Et puis moi, on m'abandonne avec les enfants. Et là, moi, je suis enceinte. Et encore, je vais avoir un troisième enfant. Et le papa, il n'est pas là. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a rien dit. Et après, je suis venue ici pour ma délivrance. Mais n'oublie pas qu'un matin, tu t'es levé, tu as changé, monsieur. Je ne mets pas le matin parce que mon enfant, il est venu me voir. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je lui ai dit que je ne voulais plus, je ne voulais pas qu'il s'en aille. J'ai tout cassé, la police est venue, et il pleurait. Et puis j'ai cassé mon téléphone, j'ai dit de payer, et puis je suis partie, que je ne voulais plus. Et donc quand je suis venue ici, je me suis arrivée à moi, j'étais calme après, et j'étais bien après. Et il m'a appelé, et puis on se parle bien, il m'a dit. Et puis moi, par contre, j'ai dit que moi, je vais continuer à marcher dans la voie du Seigneur. Tant qu'on n'est pas marié, moi, je ne veux plus qu'il se passe des rapports sexuels ou quoi que ce soit. Parce non, que... ça, on va geler ça. Voilà. Il y a déjà eu, il y a eu des... Il faut laisser ce qui t'en veut. Non. Il y a des choses, je vais te donner des conseils. Après, moi, je ne sais pas, mais... Je vais te donner, je ne comprends pas, je vais te donner des conseils. D'accord. Il y a eu un miracle de délivrance. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je savais que Jésus, ce n'était pas mon problème. Et j'avais la haine dans mon cœur parce que c'était tout très proche de moi. Et puis j'ai appelé la personne. Non, c'est pas la manière. Qu'est-ce que la personne a dit? J'ai appelé la personne, mais après tout le mal que la personne m'a fait, le Seigneur m'a mis encore de lui demander.
pas de la maison.